Salut tout le monde, c'est Rookie. Aujourd'hui, nous revoici sur MW3. J'avais envie de vous parler, étant donné que je suis en train de monter les camouflages forgés de certaines armes, de plusieurs bugs. Alors, j'ai mis dans le titre de la vidéo 3 bugs des camouflages forgés. Il y a bien plus que 3 bugs dans les camouflages. Mais là, en fait, c'est parce que je viens de les faire à la chaîne et il fallait que je vous en parle parce qu'au début, c'était clairement 3 défis qui me faisaient un peu chier. Et bah en fait, ils sont buggés, donc ils sont super simples à faire. Et je vais vous expliquer de quelles armes je parle. Tout d'abord, on va commencer par la FR5.56. L'arme avec laquelle j'ai mis la petite intro. Cette arme, en fait, pour le camouflage forgé, il faut faire, écoutez-moi bien, 20 opérateurs avec une rafale. Mais en fait, c'est buggé. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 15 rafales, ça comptera quand même. Donc en fait, globalement, vous avez juste à faire 20 kills. Et ça change quand même un peu la donne. Donc ça, il y a celui-là. Il y en a également deux autres. Alors, il y a celui de la MCW. La MCW, le... Faites 10 fois 3 éliminations sans mourir. Donc c'est bugué en fait, c'est bugué, il faut juste faire 10 fois 3, donc 30 kills, juste 30 kills, peu importe le nombre de fois où vous mourrez, peu importe donc du coup votre ratio, le défi sera validé. Donc c'est bugué. Et enfin le dernier, et pas le moindre, c'est pour le couteau de chasse. En effet, le couteau de chasse, il faut faire 5 fois 5 éliminations sans mourir. Mais en fait, non, c'est pareil, c'est 5 fois 5, donc 25 kills. Juste 25 kills, quel que soit le nom, vous pouvez mourir 50 fois, peu importe, ça comptera quand même. Donc vous faites 25 kills et c'est tout bon, ça passe. Voilà, voilà, j'espère que vous avez bien apprécié ces petites astuces et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!